Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012. Alors j'ai fait un petit peu des kilomètres pour retrouver l'endroit où je suis décédée. Et là je me suis arrêtée le long du lac de lave. J'ai essayé de pas tomber dedans, hein. On va faire un gros effort. On va arrêter de mourir n'importe comment. Donc, oh, une grotte là. Je suis un petit peu awalpée. Mais là, je suis hyper rassurée car nous avons des petits moutons, donc je vais pouvoir me faire bientôt un plumard si mon stuff n'a pas explosé avec moi. Alors effectivement, dans le précédent épisode, j'avais quasiment plus de gigot, j'avais quasiment plus de cœur et je me suis jetée tête la première dans le premier creeper qui passait. Tiens, je vais le prendre au cas où j'ai un chien un jour. Persuadée que j'allais réussir à le buter du premier coup. Et que nenni, niet, 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 non, non, non. Je vais récupérer mon stuff. T'as vu ça? Waouh. Ça s'appelle bonjour, t'as du bol. Parce que... sais pas si j'ai tout, mais... Oh purée, je suis vachement rassurée. Attends, la petite fleur, on va pas la garder. On va la planter. Hop. Et là, je vais immédiatement tout de suite chercher de la laine. Et la prochaine nuit sera beaucoup plus paisible, étant donné que nous allons pouvoir faire un gros doudou. Mouton. J'allais dire lapin, n'importe quoi. Où j'ai récupéré un os. Je prends que de la laine blanche. Because ça prend moins de place dans l'inventaire. Excuse-moi, petit mouton, mais j'essaie d'aller un petit peu vite. Il y a des trous de creeper un petit peu partout, donc c'est pas le plus rassurant du monde. Je me suis fait mourir par un creeper. Non, mais je sais pas ce qui m'a pris. Sérieusement, je vois un creeper, j'y fonce dessus parce que l'instinct de conservation de mon champ a été plus fort que tout. Et Orphéa était plus ridicule que n'importe quoi. Parce que franchement, c'était complètement niais. Sérieusement, c'était trop niais ce que j'ai fait. Et je vous avouerai que j'ai mis du temps à m'en remettre. Et quand j'ai dit ça à Mark Phoenix, il est mort de rire. Et quand j'ai raconté ça sur Facebook, sur mon blog ou sur Facebook, je ne sais plus. Eh ben, personne s'est moqué parce qu'ils sont très sympathiques, mes amis Facebook sur Orphéa 2012. Et personne s'est moqué. Ils ont peut-être un peu pitié aussi, hein. Je pense qu'il y a de ça. Hop là. Après, je sais pas du tout où on va aller parce que. Je prends, oui, je prends moult laine. Beaucoup, beaucoup. Tant pis, hein. Si j'en ai trop, eh ben, tant pis, je me tricoterai un pull. Je sais pas du tout où je vais aller. Bonjour ma poule. Parce que le terrain est quand même extrêmement merdique. Ouais, on va appeler ça comme ça. Ben dis donc, il y avait beaucoup de monstres quand même ici, hein, parce que encore un nonos. Donc avec le nonos, nous allons nous faire un petit peu de poudre. Afin de faire des champs un peu plus rapidement. J'ai pas utilisé toute ma poudre. Est-ce que j'ai encore ma... Ouh. Oui. Bonne nouvelle. N'est-il pas?
Voilà. Sur le chemin du retour, j'ai récupéré quelques petites graines. Et là, je viens déterrer des graines parce que je suis un petit peu... Je sais pas. Pas doué. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Pas doué. Oh merde, il va faire nuit. Où il est mon trou de... d'habitation? Merde, je sais plus. Il est là. Panique pas, Orphéa, c'est bon. Panique pas. Ce n'est pas grave. N'enferme pas en entier. Tu vas fermer que là. Normalement, les monstres peuvent pas passer. Là, je vais refermer ici. Allez. Allez! Ah, oh, mazette. Ça, là, je vais mettre ça. Et je vais me faire tout de suite. Du coup, je me rappelle plus trop ce que j'avais dans mon inventaire. Et comme c'est rangé n'importe comment. Donc des lits, je peux m'en faire une douzaine, donc ça va le faire. Hein. Enfin, un point de spawn pour Orphéa. Yes, of course, it's good. Ah là là. Alors, est-ce que j'ai une épée? Ouais. Est-ce que j'ai du bordel? Ça, je vais l'utiliser. Ça sert à rien de garder des os. Des os, pardon. Donc, je sors mon épée. Des torches, par contre, il n'y a pas. Non? Ah bon? Il n'y a pas. Il n'y a plus, peut-être, hein. Ça, vite, parce que... Est-ce qu'on voit des monstres? Je ne sais pas. N'y a pas de graines, donc c'est pas la peine de mettre de la poudre. Hop. Et hop. Je vais planter mon sapin parce que je sais même pas ce que je fous avec un sapin dans la poche. Combien j'ai de blé? Ouh, bien. Je replante pas les graines pour la simple et bonne raison qu'on va se barrer. Et que voilà. Je vais mettre mon établi. On va se faire du pain. Allez, go. Et on va activer un petit peu le mouvement parce que... Hop, succès. Ouais, avec les œufs, on peut vraiment rien faire de potable avec Better Farming. Mais bon, c'est Better Farming, pas autre chose. Par où allons-nous aller? C'est pas ça. Bon, c'est pas grave, je l'ai fait quand même. On va aller chercher la citrouille qui est tout là-haut, puis on va continuer par là. Je sais pas en fait. On va bien voir. Prends ton épée, ma poule. Voilà, bonne idée. On va aller chercher les citrouilles pour nous faire de la tarte à la citrouille. Si on a l'occasion. La tatarte. Hop. J'ai repris mon établi, oui. J'étais pas sûre. On va regarder un petit peu ce qu'il y a tout là-haut. Là, on a un arbre. Ce qui m'embête copieusement, c'est que là, nous sommes à l'orée d'une... d'un trou, d'un biome jungle et ça va pas être possible. Donc je vais prendre tout ça, un petit peu de bois parce que
On n'a jamais assez dans Minecraft, même si c'est un petit peu chiant de temps en temps de couper des arbres. Mais dans Minecraft, t'as pas d'arbres, tu ne survis pas. Oh, j'avais cru entendre une bête. Non? Ce sont des poules, Orphéa, ce n'est pas grave. Oui, je sais. Mais quand même, tiens, un œuf neuf. Super. Allez, go. Doudou. Ah, je vais où? Je vais par là, par en haut ou par en bas? On va aller par en haut, allez, hop. En avant, c'est parti. Avançons. Donc le but du jeu de cette aventure est, comme d'habitude, voilà, se promener. Ah! Ah! Ou mourir maintenant, tout de suite. Oh la vache! Orphéa veut tester son point de spawn. Communément appelé quand tu crèves, tu reviens dans ton lit. N'hésite pas la bonne idée, Orphéa. Attends un peu. Du charbon, j'en ai un peu. Donc c'est bon, on va pas s'embêter à prendre le charbon. Par contre, de la canne à sucre. On va prendre, parce que pour faire la tarte à la citrouille, il va me falloir de la canne à sucre. Et puis si jamais on trouvait un village de PNJ avec un PNJ qui souhaite des feuilles, on pourra en faire avec la canne à sucre. Ouais, on va longer, hein? Ouais! On va longer! Attends, parce que, je vais vous dire un truc. J'ai 50 000 blocs de ça là, de communément appelé cobble. Il faut que je l'utilise parce que ça sert à rien de le garder. Je vais pas me faire une maison tout de suite et pas forcément une maison en cobble tout de suite. Y avait une grotte. Orphéa panique. Non mais n'importe quoi. Il y a un truc noir là-bas, c'est quoi? On va voir? Non, on va pas voir. Non, on va pas voir, on va aller foncer par là-bas. Ouh, il y a un truc gris là-bas. Oh! Putain! Excusez-moi, mais... Waouh! Un peu... Putain! Ça, c'est clair que ça va bien se passer, Orphéa, si tu fais comme ça. Vache. Mon Dieu. J'ai cru que c'était pas des vaches. J'ai cru que c'était un Underman. Je confonds une vache et un Underman. Faut pas être net quand même, hein. Là, on va se tirer ailleurs. Hein? Ouais. Oh. Ok. D'accord. D'accord. Bon, les vaches, par contre, vous allez vous taire maintenant, hein, parce que il y a des gens qui flippent. Hein. Donc, même un bruit de vache, c'est flippant. Ouais. Voilà. Bonne journée, Meumeux. Ça va? Bon, du blé, j'en ai qu'un. Donc, je vais me le garder si ça vous gêne pas trop. Ah, alors là, ça, c'est un terrain qui me plaît beaucoup, beaucoup. J'ai horreur du biome neige. J'ai horreur du biome jungle. J'ai horreur de ça là-bas. C'est certainement une faille. On va aller voir. Ou un bug de téléchargement d'image. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ou de map. C'est plus un bug de téléchargement de map que je voulais dire. Regarde, il y a déjà le petit chemin. Le petit chemin. Niveau fer et compagnie, normalement, quand t'as une faille, t'envoies. Mais là, il n'y a que dalle. La map est extrêmement pauvre en ressources. Je suis tout à fait joyeuse. Oui, on dit joyeuse, mais c'est parce que ça, c'est un délire avec Lucie.
qu'elle avait lu le mot noyau et elle avait dit un noyau et ça m'a fait trop rire. Hop, allez. Ah ouais, d'accord, c'est juste des petits trous comme ça. On va aller par là parce que là, il y a une étendue de cobble à première vue. Là, il y a ça, mais on va pas rester là. Là, quelle heure qu'il est? Oh, la crotte de biquette. Oups! Et moi, j'ai passé la nuit là. Ouais, normal, 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 normal. Normal. On va aller par là. Ça a l'air d'être un peu plus plat, sans plein de trous où on peut crever comme des crotounettes. Hop, pardon. J'ai chu. J'ai chu. J'essaie de récupérer encore des graines parce qu'il va bien falloir que je me fasse à bouffer un peu mieux. Là, il y a une grosse grotte, purée. Oh, pardon. Non, mais je ne cherchais pas. Là-bas, il y a l'air d'avoir énormément de citrouilles. Là, on a des copains moutons, mais des copains moutons, on n'en a pas trop besoin. Là-bas, on a plein de citrouilles. On va aller dormir avec les citrouilles. Et on va même se manier un petit peu le cul, parce qu'il y a des grottes partout, là. À mon avis, je vais pas être toute seule très longtemps. Et 1, 2, 3. Ah, le pont doudou d'Orphéon est cool. Me suis couché vite et je crois que j'ai bien fait parce qu'il y a quand même des trous partout là-dedans. On va reprendre une petite citrouille ou deux. Bon, c'est pas mon endroit préféré là. Je me trouve un petit peu cerné par des grottes et ça me plaît pas du tout. Bon, on va continuer tout droit alors, hein. Allez, go. Et tu vas regarder où tu marches, toi, une fois de temps en temps, parce que ça fera des vacances à tout le monde. Oh yes! Un arbre fruitier. Et aurais-tu une paire de pommes, mon petit cadet arbre? Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, bien ce que je me disais. Excusez-moi. 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 Lucie a joué. Du coup, je l'ai mis en paisible et j'avais omis. Donc, j'ai un avoir peur de monstres hypothétique puisque personne ne pouvait apparaître. Salut les chevaux! Ça va? Dis donc. Moi j'ai mon inventeur qui est blindé de chez blindé. Dégager un petit peu des trucs, il faut que je me garde un petit peu de place parce que là par exemple j'ai trouvé des pommes, donc X. X on s'en fout, c'est pas ça, c'est E, des pommes j'en ai 5. Donc tu parles avec ça. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça de fait. Voilà. Bon. Alors, là, bah oui, parce que si je veux prendre un petit peu quelque chose, genre des champignons, eh ben, j'ai pas de place dans mon inventaire. Ouais. Si je veux ramasser du fer, comme par exemple ici, il y en a, je n'ai pas de place dans mon inventaire.
Ça, j'en ai pas besoin. J'en ferai rien. Je vais dégager. Ah. Et je vais mettre les pommes à la place du pain, comme ça je vais manger mes pommes. C'est hyper rassurant cet endroit. Oh la vache, pas trop. J'aime bien parce que t'es dans le marais, tu trouves pas tellement de champignons rouges. Et tu descends là, il y en a partout des champignons rouges. Pas intérêt à te casser la gueule là parce qu'il y a de la flotte quand même. Hop. Hop. Mettre des torches un petit peu. Popo, popo, papayou, papaya, papayou, papayou. Ouais, je sais, c'est complètement niais, mais j'irai pas plus loin, donc c'est pas la peine de laisser ça ouvert. Et ça me permet de dégager un petit peu de choses dans mon inventaire. Pioche. Ah. Pioche. Alors toi tu dégages. Bon, je vais te reprendre parce que je suis un petit peu con. Mais ça c'est pas grave. Tu vas partir là. Et je vais pas m'en sortir là. On a tous remarqué. Oh, je m'énerve. Je m'énerve. Toute seule. Donc j'ai réussi à embarquer ça. Eh, vous sentez là la perturbation complète d'être... Merde. D'être là. C'est dingue, hein. Je suis là, je suis à l'entrée d'une grotte. Et voilà, j'ai la trouille. C'est un monde, ça. C'est pas humain d'être comme ça. Ce n'est pas humain. C'est juste un jeu, Orphéa. Calme, calme. Gentil, Orphéa. Qu'est-ce qu'on a comme bloc? Là, on n'en a que 22. Pourquoi vous vous stackez pas? On ne sait pas. Hein. Gravier. Toi, tu vas têche. T'as vu la partie de l'épisode qui est hyper intéressante? On se disait tous, pourvu qu'Orphéa nous fasse un petit peu chier avec des conneries à un moment, et paf, on y est! Regarde. Je sais que je suis ridicule, mais à un point, mais phénoménal. Est-ce qu'il me reste une place dans mon inventaire pour prendre un champignon comme ça? Oui, parce que sinon mes champignons rouges ne me serviront à rien du tout. Voilà. Ouh, bah dis donc, c'est profond là. Ouais. On va aller plutôt vers là-bas. Oups. Des cochons, des champignons à foison là-bas. Cochon, cochon. Ça bouge donc c'est certainement pas des champignons. Petits champignons roses qui bougent. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va se retrouver dans un prochain épisode. Je vais essayer de me recentrer un petit peu psychologiquement. Parce que là, je suis un petit peu ridicule. Je m'en rends bien compte. Allez! À la prochaine tout le monde, à plus!